Hey les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Kamehameha. Yo tout le monde, Sofiane le Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends Z, où on va partir en PVP pour aller tester une team avec 3 ultras qu'on prendra pour partir au combat, à savoir le fameux Black Goku Rosé Ultra, le Vegeto Blue Ultra et bien évidemment le Gogeta Blue Ultra. Ça fait 3 Saiyan divin, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ensuite j'ai mis 3 KZ Zenkai pour le Black Goku Rosé Ultra. J'avais envie de bien booster ce Black Goku au cas où si jamais on tombe sur le fameux Goku SSJ LF qui pourrait vraiment bien contrer mon fameux Vegeto Blue Ultra. Et au moins le Black Goku Rosé, bim, tu lui envoies l'ultime à l'autre et il va partir dans la cantoche, dans les jupons de sa maman, il va rien comprendre. Bref, comme d'habitude les amis, max de pouces bleus en mode Genki Dama, n'hésite pas à partir cette vidéo et n'hésite pas également à réagir dans l'espace commentaire et à t'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas fait. On est parti en combat. Yeah, ok, première game et vas-y, let's go hein. on va prendre ces 3 là. Là il y a quand même un VB 8 étoiles hein. Il y a un VB 8 étoiles et le tag GT à 11 étoiles. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Après, le Goku il est à 3 étoiles, mais attention, le Goku 3 étoiles, faut pas le sous-estimer. On l'a vu dans mon showcase qui était à seulement 4 étoiles. Hein, je l'ai à 4 étoiles, ce Goku. Et bah, il déboîte les VB Ultra. Hein, d'accord, ok. En plus, il est handicapant. Tu peux pas faire du combo à l'infini parce que ça te réduit ton ki quand tu le tapes, etc. Et puis, il encaisse super bien. Donc, on va voir ce que ça a donné. Du coup, là, voilà. Le fameux rosé en animation, elle est belle. Hein. Franchement. Voilà, hop, on la lock. Voilà. Et là, du coup, je perds du ki. C'est normal. C'est ça qui est relou. Et en plus, voilà. Il tank bien. Voilà, la petite spé, là. Bim. Voilà. Le Gogeta là-dessus qui fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Bien, ouais. Donc là, on va monter un peu la jauge. Voilà. Il monte la jauge du Gogeta. On va récupérer des PV. Voilà, j'essaye de vous dire un peu ce que je fais en même temps, hein, durant le combat, pour que vous compreniez comment je joue. Donc là, s'il fait des blasts, je pourrais le contrer. Pour l'instant, il fait que des strikes. Et là, c'est bon. Maintenant, je peux le contrer. Et là, j'ai fait une spé. Je suppose qu'il va switch. Ouais, il va switch sur le VB. Ça se passe bien, ça se passe bien. Parfait, ça. Voilà. Donc là, attention, il n'y a pas de cover. Ma jauge, elle s'est remplie en plus. Voilà. Parfait. Voilà. Ok, let's go. Huch. Voilà. Ça ramène une spé, hein, forcément. Ok, donc là, j'ai une spé. Si je touche, ça va faire mal. Hein. Parfait, let's go. Là, ça va toucher. Rosé, hein. Oh. Ah. Petite verte. Ok, je l'avais zappé, cette petite verte. On va... Merci pour les follow. Bienvenue à la chaîne. Voilà, on va cover là-dessus. Hop là, voilà, la petite strike cancel qui est passée. Comme il avait déjà switch, il peut pas réesquiver. Du coup, bah, on est plutôt pas mal. Ok, parfait ça. Ok, il a fait switch. Ok. Très bien, là on va mettre là-dessus pour tanker un minimum avec le VB Ultra. On se débrouille plutôt bien dans cette game. Hein. Voilà. Parfait ça. Hop là. Le rosé t'a dit cuisine. Ok, donc là il a switch. Il tanque quand même un minimum le rosé. Hein. Ok, normalement ça va tanker comme là je suis à contre-type. Enfin, qu'il est là à contre-type, pardon. Voilà, je récupère des PV. J'ai l'ultime. Là c'est bon normalement. Voilà, parce que j'ai fait la strike avant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, l'ultime direct. Est-ce que ça tue? 3 étoiles le Goku, est-ce que ça le tue? Je pense quand même. Je pense. Yes! Voilà, monsieur! Bon, ça s'est bien passé. Hein. Ok, bon, c'est finito. C'est finito, mon copain. C'est finito, mon copain. Black Goku. Voilà, voilà, voilà. Hein,
incroyable. La team, elle a déboîté. Incroyable, c'est un plaisir de ouf. Ces trois ultras ensemble, ça fait vraiment, vraiment kiffer. Max de pouces bleus en mode Bekidama, comme j'ai pu vous le dire. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir. Ça a déboîté. Deuxième game, les amis. Bah là, on a du VB, du tag, le Goku. 3 étoiles encore. On a encore du Goku. Hein. Ça, c'est bien. Comme j'ai le Black Goku rosé, ça me fait vraiment kiffer. Et bah écoutez, hop. On prend ces trois-là, on recommence, on va voir un petit peu du coup ce que ça va donner. Cette première game s'est bien passée, on va voir maintenant la deuxième. Et puis bah, let's go. On est là pour casser de la bouche, on est là pour envoyer à la cantoche, pour envoyer dans les jupons de maman, bah ouais. La tartine de Nutella, les amis, la confiture à la fraise avec, le pitch, hein, le doigt, bref, tu connais, tu vois. Je dis ça, ça se trouve, je vais me faire éclater, je vais rien comprendre. Parce qu'il a quand même le fameux tag ici, tu vois. Le tag tournoi du pouvoir, on va pas se mentir, c'est énervax quand même. Franchement, cette carte, elle est vraiment énervée. Bon, j'espère que ça va pas laguer. Parce que quand tu vois la connexion, là, elle est bien lente. Hein. Elle est bien, bien lente, sa connexion. J'espère que ça va bien se passer quand même, tu vois. La chapka, là, je sais pas quoi, là. C'est quoi ce pseudo, les amis? Enfin, bon, bref. Allez, on va se concentrer, comme d'habitude. Début de combat, je vais switch directement sur le VB Ultra, comme ça, ça lock son personnage. Après, il peut faire de même aussi, hein. On verra bien. Let's go. Je switch, hop. Parfait, il a fait Blast contre les strikes où je transperce le Blast, c'est pas mal. Je pense qu'il va mettre le Goku. Ah non. Ok. Ok. Il le met ou pas? Voilà, il le met. Ok, parce qu'il l'aurait mis avant, ça m'aurait réduit le ki, j'aurais pas pu autant taper. Donc là, hop, je vais empêcher les covers. Parfait, ça. Il a foncé tête baissée, il aurait pas dû. Voilà. Voilà. Ça tank à 3 étoiles. Hein. Voilà, parfait, ça. Il tank, hein, franchement, à 3 étoiles, hein, son Goku et ses JLF. 3 étoiles, vous avez vu comment ça a tanké, franchement. Enfin, même, de toute façon, sa team, elle tank, hein. Même le tag, là, c'est costaud, hein. Je peux pas rising rush, hein, parce qu'il a la jauge anti-rising rush. Ok, il a mis Goku. Tu sais, c'est ça, le problème. Avec le tag, tu peux pas rising rush comme tu veux, tu vois. Sinon, ça contre le rising rush. On tapote. Pow! Let's go. Et ça tue pas, forcément, hein. C'est normal, contre-type. Parfait, ça. J'ai pas forcément besoin de switcher là-dessus. Voilà. Voilà, le Rising Rush, il est lock, mais... De toute façon, je peux pas le faire tout de suite, parce que sinon, il va me mettre le tag et ça va le faire dans le vent. Ok, par contre, ça fait mal, hein. Par contre, on fait mal, quand même, là. Ok. Je peux le finir, il est croisé. Ok. Il l'a protégé. Hein. Ah, bien wesh, bien wesh, bien wesh. Il l'a bien protégé. En tout cas, on a été très très bon. Oh les dégâts. Oula, oula, oula. On a été très bon quand même en ce début de game. Hein. On a fait des dégâts, tout ça, alors que c'est tanky. Vas-y, augmente la jauge. Ok, parfait. Là, on va prendre un kill avec l'aspect. Hein. C'est un kill. Mais qui tu veux, c'est le kill. Voilà. Là, il pouvait mettre un des trois. C'était le kill. Voilà, je récupère l'esquive. Ok, donc là, il a fait le main. Parfait, ça. Voilà. Bah, c'est parfait, tout ça, dis-moi. On t'avait dit que t'allais prendre une tartine de Nutella. Tu es en train de la prendre, frérot. Ok, bon, bah là, ça va faire des dégâts, forcément. C'est pas grave. Voilà. Voilà. C'est tout. Parfait, ça. Voilà, c'est finito. Parce que j'avais le main, j'allais faire l'ultime, il savait très bien, j'allais le fouetter. Ah bah là, frérot, j'ai envie de vous dire, les gars, ça se passe bien. Ça se passe même trop bien. C'est incroyable, hein. Franchement, là, c'est incroyable. Encore une game qui s'est bien passée, game suivant. Ok, alors là, attention. Attention, mesdames et messieurs, parce que là, la team commandant Ginyu, faut pas croire comme ça, mais ça arrache sévère. En plus, il a un Ginyu 8 étoiles. Hein. Bon, on va prendre ces trois-là, mais attention. Franchement, Jizz, Barta, Rikum et Guldo, c'est pareil, ça tank, etc. Après, si j'arrive à prendre Rikum avec mon VB Ultra, il va avoir Bobo.
Mais franchement, les amis, ne sous-estimez pas la Team Commando Ginyu. Quand t'as les trois comme ça, en plus, il y a des étoiles. Il y a quand même 6 étoiles sur Jis Bartha. Il y a 8 étoiles quand même sur Ginyu. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Surtout qu'il y a le revive. Si on pouvait avoir un revive qui foire avec la grenouille, ça nous arrangerait, tu vois. Voilà, on va voir. Allez. Donc là, le VB, comme ça, je strike direct. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, ça m'a retiré la strike, super. Super, bah du coup, c'est moi qui me fais arracher, là. Oh là 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 là. Ok, vas-y, monte la jauge. Là, ça a très mal commencé, vous voyez. C'est cancer de ouf, ça m'a... Oh là 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 là. Ça m'a enlevé la jauge direct. Oh là là. Putain, mais ça cogne, hein. Ouh. Ça va être temps d'accès, là. Hein. Oh là 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 là. Bon. 908. Yes, 907, on a de la chance, vas-y, on enchaîne. Ah, la cover, forcément, en plus je suis à contre-type, ah bah voyons. Alors on va mettre lui, parce que sinon je... Oh, les dégâts. Oh là 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 là. C'est un délire, hein. Ok, vas-y, je suis obligé, hein, je vais pas rester à rien faire, hein. Même si on voit pas les cartes, je suis obligé de taper, hein. Par contre ça c'est bien, ça fait plaisir. Ok. Est-ce qu'on peut fatter? On n'a pas réussi à bien feinter. Hein. On n'a pas réussi à bien feinter. Oh là 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 là. Oh là là, il cogne. Hein. Oh là 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 là. Les dégâts, vous avez vu les dégâts de Ginyu, les frères? C'est un délire. Ok, parfait. Ouais, c'est bon, je revois mes cartes. Ok, je peux pas Rising Rush. Oh là là, en plus, il m'a enlevé l'ultime. Et je peux pas Rising Rush avec le Ginyu, tout ça. C'est relou. C'est fort en face. Franchement, c'est très fort, c'est très costaud, c'est très résistant. Voilà. Ok, j'ai récupéré l'esquive. Ok, c'est parfait. Je peux pas Rising Rush. Parfait, ça. Ok. Allez. C'est maintenant que là, faut faire des dégâts, là. Et ça tank, hein. Ça tank face à VB, hein. Ça tank vraiment bien face à VB, hein. C'est maintenant qu'il faut faire des dégâts, les gars. Donc là, s'il pourrait prendre le crapaud, ça m'arrangerait, frérot. Au lieu de prendre le corps de Goku, prends le corps du crapaud. On tapote. Brrrr. Alors, prends le crapaud, frérot, ça m'arrangerait pour le revive. Parce que là, franchement, ta team, elle est forte. Elle est forte et voilà. Let's go. Et il a pris beaucoup. Bah ouais, il va pas prendre le crapaud, sinon ce serait trop facile, frérot. Forcément, on aime la difficulté, nous. Bim. Oh là là, purée. Il prend l'avantage sur Clash. On n'est pas bien. Oh, les dégâts. Oh là 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 là. Oh, le monstre. Oh, le monstre. Ok, là, je suis mal. Hein. Ok. Alors, par contre, l'avantage que j'ai, c'est que maintenant... J'ai plus le souci de Rising Rush ou non. Par contre, ça lag un peu. Ah ouais. Et ouais, mais ça lag un peu. Parfait. Rising Rush. Bah oui, frérot. Je t'ai fait avoir, bien sûr. On te fait l'aspect pour que t'esquives. Pour ensuite te faire Rising Rush, mon bonhomme. T'as vu ça, mon gars? C'est bon, en plus, tu contres pas. Ça m'arrange. Bim. Cuisine. Ta maman, elle est là-bas. Va la voir dans le jardin public. Allez, hop. Voilà. Let's go. C'est pas fini. J'ai entendu pas de côté, là. Yes. Okay. Oh, les dégâts. Les dégâts, monsieur, qu'on aime voir. Eh ouais, mon pote. Let's go. Incroyable, le rosé, là-dessus. Le rosé, il est incroyable. Il a lancé une spé du futur. Il a récupéré l'esquive, tu vois. Et ensuite, tu fais l'ultime. Et là, le Ginyu, t'as fini une telle, là. Incroyable. Incroyable. Ok. Ok, très bien. Fais ton cinéma. Allez. One combo. Ok. C'est résistant. C'est résistant. One combo ou pas? Oh non, 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 non. One combo? One combo?
One combo, frérot. Voilà, voilà, voilà. Respectez, respectez, respectez. Il faut respecter. Hein, tu viens avec tes guignols là qui font des danses à tout va pour Freezer, je sais pas quoi là. Frérot, respecte. Hein, on n'est pas là pour enfiler des perles, nous. Non, vraiment, les gars. À part jouer avec l'humour, franchement, la team, elle est incroyable. Trois ultras ensemble, ça fait le taf de ouf. Tu prends énormément de plaisir. Pourtant, vous voyez, c'est un Végéto Blue Ultra 5 étoiles, etc. Tu vois. Bon, après, j'ai un Black Goku Rosé quand même, 8 étoiles, qui était sous le Cap Z Zenkai. Et on a pu le voir, il a fait le taf là dans cette game. Franchement, incroyable. J'ai vraiment bien kiffé. N'hésitez pas à partager, à réagir dans l'espace commentaire. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. On se retrouvera demain, en ce mercredi, en live ou en vidéo. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.